Donc tu vois, moi, ce que j'aurais bien aimé offrir, c'est un triple tank avec ma pote Ray. Donc tu te lèves à 5h30, tu fais un 6 pour 7, après tu fais un 8 pour 9, et après tu fais un 10 pour 11. Tu commences par la plongée requin, après tu fais une reef dive, une reef dive. Mais il y a un autre bateau qui fait reef reef. Et le problème, c'est que Sylvain et Hélène, ils voulaient pas se lever tôt. Enfin, Sylvain, ils s'en foutaient, mais Hélène, ne voulait pas trop se lever tôt. Donc on a fini par dire, bah vas-y, on fait un 9-10, et après un 10-11 sur l'autre bateau. Donc en fait, on va changer de bateau en mer. C'était un peu chiant, tu vois. Et en fait, il y avait une place là pour la shark dive. Du coup, moi, j'avais dit, bah vas-y, Sylvain, tu vas faire la shark dive. Et Sylvain, il avait dit, non, vas-y, je veux pas faire la shark dive à la fin. Donc j'ai dit, ah, trop cool, je vais faire la shark dive. Sauf que je me suis fait passer d'eau. Et en plus, pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est même pas des plongeurs. C'est des gens qui font de l'apnée là. Voilà. Donc là, j'en suis au stade où j'attends qu'il y en ait un qui ait un problème d'oreille pour pouvoir aller plonger. Ça va le faire. Sinon, je me suis juste levé 5h30 pour rien. Mais c'est pas grave. Je me réveille de toute façon. Moteur, action. Ok, what's the morning routine? Oh, fuck. Anything in my nose? Yeah, c'est ça, là. Là, on charge le bateau, on va partir. No, he's still waiting for one more. That's German. Oh. Is this your first shark dive? It is my first baited shark dive. Indeed. Are you excited? Very excited. Have you seen the movie Jaws? I have. Have you seen the movie Jaws? It'll be okay. Yeah, can't wait. Do you want us to bring you back in one piece or in pieces? Yes, man. No time for cigarettes. The world, the German guy, a cigarette. You see, the guy is coming. He's late. He's like, put that so shit on. Put that shit on. Priorities. So good. Look. What are the chances I can get a video of the world? The dive. Not this. Some of that footage from the doctor's. I'll give him the footage for Say, Fluffy Rabbit. If you wait, I make a video out of it every day. So it takes me a time to edit, but all the footage you. Awesome. Yeah. That's Allez, wall. Alors ce jour-là, j'étais content parce que j'étais pas le seul à filmer sur le bateau. Le petit blond que vous voyez à côté de moi, là, c'est un des élèves de Trevor Hutton, le monsieur à qui j'ai fait la blague pendant l'intro. Trevor Hutton, il est professeur d'apnée. Et aussi le record du monde de pêche en profondeur au harpon. Il a piqué un poisson à 66 mètres de profondeur sur des côtes sud-africaines. Un des messieurs qui peut vous apprendre à passer la barre des 4 minutes en apnée sur la planète. Côté plongeur, on avait la Canadienne que vous avez vue en interview, Detlef et sa cigarette, et un couple de Suédois que j'allais suivre au Sardine Run, qui avait l'air très discipliné dans l'eau. Donc on est sorti sans encombre, la météo était parfaite, arrivé au sud du récif, on nous a commencé à amorcer, la femelle alpha était déjà là, et vraiment tout s'annonçait parfaitement quoi. Ok, I tell you what happened with the last battery. This morning, I shot two camera, microphone, everything was perfect. The shark dive is the first episode, perfect, perfect, everything perfect. Second dive, want to be, I don't know what's the English word for this, greedy, when you want too much. Yeah. So I took both camera on my second dive, but both camera were already dead, like only this battery. So I said, okay, I can still get something. And usually my head GoPro is already on my head, so I can tie it here. Here or here? I did here, safe. But usually when I go back on the boat, I never unclip my BCD. So it's safe to me, safe zone. And now we went back, I want to be quick on the boat to help the people. I did click, GoPro. No, karma's gonna bring it back.
And it did not. Shit happens. Not a good machine.